Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va vous parler de Anora de Sean Baker présenté en compétition. La dernière fois que Sean Baker était venu au Festival de Cannes, c'était pour Red Rocket en 2021 et c'était plutôt une bonne surprise pour nous, ce film autour d'un personnage vraiment détestable. Et donc on le retrouve avec Anora, cette fois-ci ça se passe à New York, dans plutôt les quartiers russes de New York, donc Little Odessa, Coney Island et tout ça. Et on suit donc Anora qui se fait surnommer Annie, qui est une danseuse érotique, comme c'est dit dans le film à un moment, et aussi une escorte qui va comme ça s'acoquiner du fils d'un milliardaire russe jusqu'à quitter peu à peu sa vie de danseuse pour vraiment habiter avec lui jusqu'à ce que, évidemment, ça déborde un petit peu pour de multiples raisons, mais notamment du fait que ce fils est totalement immature et que ses parents ne sont pas tellement au courant de tout ce qu'il fabrique à New York. Josué, qu'est-ce que tu as pensé de ce retour de Sean Baker à Cannes? Alors oui, il faut déjà préciser que le film fait une assez grande impression suite à sa présentation, peut-être parce que c'est un film qui a une espèce de récit, pour le coup, extrêmement bien mené, cadencé, rythmé, et que ça ressemble à un film qui tient vraiment sur ses deux jambes, qui tient sa dynamique de récit de A à Z. Et en fait, il n'y en a pas tant que ça sur ce début de festival, mais le festival est déjà bien entamé. Et je pense que le moment là où il surgit et l'espèce d'euphorie qu'il produit est lié à ça. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de propositions, soit inégales, soit très aventureuses dans leur forme, dans leur hybridité. Et là, on a un film qui l'est beaucoup moins et qui tient vraiment une vitesse de récit, qui peut se rattacher à un certain cinéma américain indépendant. Moi, j'ai un peu pensé à Good Time, cette espèce de poursuite effrénée d'un personnage. Il y a quelque chose d'un peu similaire dans l'anatomie qui se joue là. Moi, j'aimerais partir d'une sensation de spectateur très forte qui, à mon avis, dit quelque chose de la grande qualité du film, parce que le film a vraiment des grandes qualités et de ses limites qui ne sont pas non plus moindres, à mon avis, c'est que je trouve que le film n'est jamais meilleur que quand il ralentit la cadence, qu'il n'est jamais meilleur que quand il ralentit. Or, une grosse partie du film, au contraire, va être une espèce de course effrénée, puisqu'en gros, on a d'abord la formation fulgurante de ce couple entre un milliardaire, un enfant de milliardaire qui est encore très immature, et donc cette travailleuse du sexe qui voit potentiellement, mais sans malveillance, sans manipulation, la possibilité d'un avenir meilleur. Et ça, c'est vrai que c'est aussi quelque chose d'intriguant chez Sean Baker, c'est comment il filme les travailleurs du sexe, puisque c'était déjà le cas dans Red Rocket, avec une absence totale de jugement. Même quand il filme des situations qui peuvent potentiellement être abrasives, comme c'était le cas dans Red Rocket, et qu'il y a une vraie tendresse et une espèce de précision documentaire presque aussi sur ce point, sur la manière de filmer les personnages et même de transformer des situations qui pourraient potentiellement être un peu dangereuses, hein, c'est-à-dire qu'à un moment elle se retrouve ligotée par des hommes de main russes, donc ça pourrait être la matière d'un thriller très scabreux. Et en fait il a jamais ce fil de comédie, quelque chose même qui par moment, et je trouve que c'est une des deux scènes les plus réussies d'ailleurs, cette scène là où elle est un peu attachée, où on n'arrive plus à contrôler son corps, elle veut absolument s'enfuir de la villa, et une scène de slapstick, et presque vraiment une scène de burlesque. Il y a des choses assez réussies là-dessus, sur une manière de toujours ce fil comique. Ensuite, voilà, moi je me pose quand même un peu la question, on va déplier après, je trouve que l'essentiel du film tient quand même sur ce sentiment d'efficacité, sur cette relance qui passe aussi par le montage, et c'est aussi un monteur, Sean Baker, hein, c'est bien précisé dans le générique, dans un carton à part, que c'est le monteur, et il y a un truc chez lui qui est assez fort là-dessus, sur les cassures. C'est quelqu'un qui travaille quelque chose de comique dans son montage. Et d'une certaine manière, je trouve que, notamment ce qu'il travaille sur le scope, et ce qui m'avait séduit le plus dans Red Rocket, sa manière de découper des espaces en deux, sa manière de jouer sur la profondeur de champ, c'est jamais meilleur que quand le rythme ralentit un peu, quoi. Ouais, tu dis le rythme ralentit un peu, la cadence ralentit un peu. Il faut préciser que c'est plutôt une question de montage aussi, c'est-à-dire plus c'est ellipsé, moins c'est, singulier, mais quand il ralentit, c'est plutôt une question de scène vraiment étirée. Ouais. Mais en fait, à l'intérieur de ces scènes-là, il n'est pas tellement question d'un ralentissement. Parce que c'est. Je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que tu vois, par exemple, quand même, la scène de slapstick qu'on aime bien, il y a quand même cette dynamique de il faut restreindre un corps, il faut l'immobiliser. Oui, il bien faut sûr. Mais je veux dire, c'est une scène vraiment frénétique où les dialogues fusent, les insultes. Il y a énormément d'insultes dans le film qui sont très drôles. Y a vraiment quand même. Justement, c'est un corps entravé, en effet. Mais la scène est extrêmement énergique, comme ça. C'est une espèce de morceau de bravoure, comme ça, au milieu du film. Et moi, le film m'a vraiment plu, je crois. Il m'intéresse aussi, c'est ça, dans une espèce de dynamique de l'entêtement, un peu. Et aussi dans l'idée que c'est vraiment un personnage qui est un peu naïf comme ça, et en même temps qui,
est très puissant, je ne sais pas comment dire, enfin, qui a très à cœur d'affirmer sa place dans le monde. Et en fait, j'ai l'impression que le film fonctionne beaucoup sur des scènes à deux ou en groupe, où en fait, il va être question de qui gagne dans la scène, c'est-à-dire qui est en train de garder le contrôle de cette scène-là. Donc ça, c'est vraiment à partir du moment où les hommes de main russes débarquent dans le film. Et en fait, le film va vraiment s'adapter à cette dynamique-là de qui est en train de gagner la scène. Et quand c'est elle, et ben justement, c'est soudain les scènes qui s'étirent, c'est elle qui refuse en fait toutes les règles qu'on lui impose. Et là-dedans, le film me paraît assez étonnant, et c'est ce qui lui permet de sortir un petit peu de ce scénario extrêmement écrit et extrêmement bien écrit, il faut le dire, mais qui s'affiche quand même comme d'une grande maîtrise, ce qui peut parfois cacher certaines limites, mais qui ici, pour moi, s'adapte très bien à cette idée que c'est vraiment les personnages qui dirigent l'action et la manière de la filmer de Sean Baker. Oui, c'est juste, puisqu'en plus, on pourrait dire l'une des interactions principales du film qui est récurrente, c'est des questions de négociation. C'est en fait, on négocie sur des questions d'argent, sur des questions de contrat. Et puis, ce qui est intéressant dans le film, et c'est là où ça donne, à mon avis, les meilleures scènes vers la fin, même si je trouve ça parfois un peu appuyé, c'est une forme de triangulation, c'est-à-dire qu'il y a un personnage qui va émerger, qui est un personnage secondaire et qui se comporte un peu de manière différente, d'ailleurs qui est plus calme, qui est plus stoïque, qui est plus down tempo d'une certaine manière. Je parle l'acteur de Compartiment 6. Oui, dont je me souviens plus le nom, qui joue dans Compartiment 6 et dans La Fièvre de Petrov, qui est un acteur, je crois, russe. Et c'est vrai qu'il ajoute quelque chose d'une forme de placidité qui est à rebours, au contraire, de l'extrême vitalité. On n'a pas encore prononcé son nom, mais notamment de l'actrice principale, qui est un peu une révélation, qui est Mikey Madison, si je me trompe pas, oui, qu'on avait découvert d'ailleurs ici à Cannes dans Once Upon a Time in Hollywood, qui avait joué aussi dans Scream et dans une série que j'ai pas vue qui s'appelle Better Things, je crois. Et ça, à la fois, je trouve ça intéressant, et puis en même temps, c'est aussi une idée que je trouve un peu plus discutable, celle d'un personnage qui la regarderait vraiment, qui la regarderait pas uniquement comme un bout de chair ou comme un corps érotisé, et qui poserait un regard qui lui redonnerait une forme d'humanité. Bon, je suis pas sûr que cette piste là me convainc totalement, mais elle donne lieu, à mon avis, à la plus belle scène du film et ma scène préférée, je crois, jusqu'ici dans la filmographie de Sean Baker, qui est pour le coup une vraie scène de ralentissement, qui est une scène beaucoup plus silencieuse, qui est une scène enneigée à la fin du film. Et je crois aussi que, à la fois, ça me plaît et en même temps, encore une fois, j'ai une petite réticence à cet endroit, c'est que je vois aussi un peu le jeu de plaque tectonique scénaristique, c'est-à-dire une espèce de frénésie incroyable qui nous submerge pour ralentir et nous cueillir sur une scène qui, au contraire, est plus subtile, est plus composée et beaucoup plus découpée. Et à la fois, je trouve ça assez impressionnant en termes de maîtrise narrative et aussi de mise en scène par endroit. Mais je me demande quand même, tu vois, en sortant, qu'est-ce que le film me raconte de plus profond que ça ? Est-ce que ça va me travailler ? Est-ce que ça va me monter ? Ouais. Je trouve que c'est un film qui est très efficace et c'est aussi un peu sa limite. C'est vrai qu'il y a une forme de logique un peu imparable avec ce personnage secondaire qui, comme ça, apparaît au début un peu comme... souvent au fond des plans, d'ailleurs. Il y a un moment où on le voit se servir de pop-corn au fond d'un plan ou dans une interaction assez importante. Il dit non, parfois, avec un léger décalage, voilà, souvent. Ouais. Ou dans une interaction à la fin, un champ contre champ, entre... Le personnage du fils du milliardaire et Annie, il est à l'arrière-plan et c'est le seul dans le soleil. Il y a des petits détails comme ça, mais c'est vrai que la manière dont, disons, il s'impose de plus en plus au cœur du récit a quelque chose d'un peu fabriqué, qui me fait un peu peur quand ça arrive, mais qui est pour moi effectivement sauvé dans cette dernière scène. En fait, le film a effectivement une forme d'efficacité qui m'a fait un peu penser à au soprano, en fait, dans le type d'humour, c'est-à-dire des espèces de gros bras qui à la fois font peur et en même temps sont très drôles. Ça m'a fait penser notamment à cet épisode réalisé par Steve Buscemi qui se passe dans la neige. Enfin, le film a comme ça une sorte de vernis HBO, mais un bon vernis HBO, quoi, de ces années-là. Mais après, moi, là où le film reste, je pense, c'est vraiment par l'idée du surgissement d'une actrice qui me semble... Elle est vraiment géniale, porter vraiment une espèce d'énergie, de drôlerie. Au début, j'avais un peu peur, je me disais, ok, je trouve cette actrice géniale, mais elle est quand même un peu tout le temps sur un ton. Et puis après, quand ça commence à varier, elle continue vraiment à m'emporter. Et là-dessus, tu parles de la dernière scène. Moi, il y a un plan qui m'a vraiment marqué dans cette dernière scène, qui est effectivement très finement découpé. Là où effectivement certaines scènes du film, Sean Baker se contente un petit peu de capturer un peu l'énergie, alors que là, voilà, dans cette dernière séquence, vraiment, il y a une sorte de découpage extrêmement précis. Et il y a un plan qui, dans une voiture où elle est à l'avant-plan et on voit la vitre de la voiture derrière, qui, pour moi, reproduit exactement
le cadre de ce plan du début de Suspiria où Jessica Harper arrive juste avant qu'elle sorte pour aller dans l'école de danse. Et vraiment, ce plan-là m'a fait le même effet, donc c'est dire que c'est quand même assez important pour moi, que ce surgissement de Jessica Harper, c'est-à-dire vraiment la découverte d'une actrice, mais même d'une présence. Et il y a cette idée-là aussi que je trouve qui pourrait être une coquetterie, mais qui est assez géniale. Quelque chose que j'avais pas vu avant, qui est qu'elle a des espèces de paillettes dans les cheveux, comme ça, c'est une sorte de présence comme ça qui brille en fait tout le temps. Et là-dessus, vraiment, voilà, le film m'a emporté. En tout cas, merci beaucoup, Josué. Et c'est maintenant le moment de la carte blanche. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'un film, mais d'une sélection, la quinzaine des cinéastes, parce que c'est vrai que pour nous, à Criticat, elle constitue un peu pendant ce festival parfois une sorte de refuge par rapport à la sélection officielle qui montre plutôt des films quand même assez imposants et souvent grossiers, voire lourds, malgré quelques films dont nous avons parlé ici et qui nous plaisent. Or, il y a vraiment quelques films à la quinzaine qui dessinent vraiment une ligne éditoriale très intéressante, notamment dans l'idée d'accueillir un jeune cinéma qui s'affranchirait des carcans, des films vraiment à sujet ou des films avec une construction scénaristique extrêmement élaborée, avec des trajectoires imposantes de personnages ou que sais-je, avec notamment, on a pu retrouver pour la première fois à Cannes le nouveau film de Jonas Trueba, qui est un cinéaste espagnol dont on aime beaucoup les films, qui est effectivement... un film un peu théorique comme ça sur un couple, une comédie de non-remariage sur un couple qui va se séparer et qui décide d'organiser une fête autour de cette séparation, liée à tout ça, enrobé d'un tournage de film dans le film, comme ça assez étonnant, qui est peut-être un peu décevant par rapport à certains films de Jonas Trueba qui seraient plus resserrés comme son précédent Venez voir, mais quand même un film intéressant, ou notamment dans un retour du cinéma indépendant américain, mais pas le cinéma indépendant américain tel qu'on l'entend aujourd'hui, un peu Sundance, un peu mêlé mine de rien au studio, mais un cinéma indépendant qui serait vraiment fauché et qui existerait vraiment indépendamment en fait des logiques du marché américain. C'est là où on a vu Christmas, ça fait parmi ces films là il y avait Christmas Eve in Miller's Point dont je vous ai déjà parlé, et aussi Ifus de Carson Lund, qui est un film de baseball, un film de sport comme ça qui se déroule sur une journée, le dernier match en fait d'une équipe locale d'amateurs, et comme ça on va simplement suivre une vingtaine de personnages tout au long de cette journée. D'ailleurs Carson Lund est le chef opérateur de Tyler Taormina, donc ils sont comme ça liés. J'ai vu aussi Good One, qui pour le coup apparaissait d'abord comme un film Sundance, mais qui finalement en accompagnant comme ça la randonnée de trois personnages, une adolescente, son père et un ami de celui-ci, et ben finalement au fur et à mesure du film prenait le plus de temps de laisser passer des plages de silence ou des longues plages de dialogue quand même assez finement écrites, jusqu'à un vertige assez inattendu dans le dernier quart. On a vu aussi, et dans le cinéma français on a pu voir des auteurs assez intéressants comme Sophie Filière dont on vous avait parlé, ou Thierry Peretti aussi, et son film est extrêmement carré quand même d'une assez grande précision dans la mise en scène. Donc voilà, même si on n'a pas aimé tous les films de la quinzaine, c'est vrai qu'on voulait un peu revenir sur cette sélection qui nous paraît assez convaincante cette année.